Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. Le consortium Winning Simandou WCS a mis en chômage technique de 11 700 employés guinéens, 3 700 employés chinois, a-t-on appris des bonnes sources. La décision a été notifiée à tous les employés. Cette décision extrême fait suite à l'arrêt de tous les travaux sur le projet Simandou, le plus grand et le plus riche gisement de fer du monde, ordonné le 3 juillet dernier par le ministre des Mines, Moussa Kara Zumba. Les discussions entre WCS Rio Tinto a chopé avec le gouvernement guinéen qui tient à détenir 15% des parts gratuites dans une co-entreprise qui doit réaliser les infrastructures ferroviaires et portuaires qui doivent servir à acheminer en 2024 le minerai de fer. Cette nouvelle exigence du gouvernement guinéen est venue alors que le consortium Winning avait déjà bouclé son plan de levée des fonds et avait conclu des accords contraignants avec les futurs acheteurs qui préfinançaient une partie du projet, a-t-on appris. Selon l'information, ces opérations financières ont permis à WCS de réaliser en 13 mois d'activité 60% du port de service de Moribaya, acheter des polyones, creuser 4 tunnels pour la future voie ferrée, faire presque la moitié d'un tunnel de 11 km, commander les rails et barrages, etc. La décision des autorités de Conakry d'arrêter subitement le projet Simandou est insolite. Selon plusieurs experts miniers, il aurait été mieux de laisser WCS réaliser les infrastructures et démarrer l'exploitation, quitte à instaurer une taxe spéciale plus tard qui pourrait équivaloir aux retombées des 15% des parts gratuites. Faut-il rappeler que la taxe spéciale minière qui avait été instaurée par l'ancien président Ahmed Sékou Touré avait été supprimée par l'ancien ministre des Mines de la Sana Conté, Jean Saoré, sans que personne ne sût les raisons. En attendant, tout accord a dit que aujourd'hui, l'arrêt des travaux de Simandou ne profite qu'à Rio Tinto, qui n'a aucun intérêt qu'une exploitation rapide du gisement guinéen ne vienne baisser les coûts des minerais de fer et effriter les bénéfices colossaux qu'il engrange depuis qu'il a débuté l'exploitation de la nouvelle mine de fer Silvergrass en Australie. Et bien les amis, c'est ici que prend fin ce bulletin d'information. Merci de rester abonné à la chaîne. Merci de partager avec vos amis et connaissances si vous la trouvez notamment intéressante. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.